Ce 22 mars sur Instagram, Sandrine Aboukra a partagé un cliché de sa petite naissiole, fruit de son amour avec Daniel Lévy. Une image absolument bouleversante pour les internautes, qui ont du mal à réaliser que le chanteur n'est plus de ce monde. La vie n'est plus la même pour la famille Lévy depuis le 6 août 2022. Ce jour-là, Daniel Lévy est décédé à l'âge de 60 ans, des suites d'un cancer du côlon. Derrière lui, l'interprète de l'envie d'aimer a laissé ses milliers de fans endeuillés et un clan entièrement meurtri. Mais avant de mourir, Daniel Lévy a offert un dernier cadeau à sa femme, Sandrine Aboukra, une petite fille prénommée Nessiole, née quelques jours seulement avant sa disparition. Dans une interview accordée à Voici FR, la veuve du chanteur a expliqué que leur fille va grandir en connaissant tout de son papa, même si elle n'aura jamais la chance de le voir. Je lui parle de son papa depuis qu'elle est née avec beaucoup d'amour. Notre princesse, comme il disait, se réveille en musique et s'endort en musique. C'est important qu'elle entende sa voix. Elle lui ressemble tellement. Je suis aussi fusionnel avec elle que je le suis avec lui, affirmait Sandrine Lévy. Et à seulement 8 mois, la petite Nessiole participe déjà aux événements en hommage de son papa. Le 20 mars, sa maman a partagé un cliché pris depuis le théâtre Mogador de Paris, là où un concert caritatif en hommage au chanteur avait été organisé en novembre 2022. Et sa fille était bien évidemment avec elle. De passage au théâtre Mogador. Nous continuons sur ta voie mon mari, a écrit Sandrine en légende de cette image. Les internautes bouleversés par Nessiole et Daniel Lévy et sur Instagram ce 22 mars, la veuve a partagé un cliché de sa fille, qui tient dans ses petites mains la pochette d'un disque vinyle de son papa. Les albums CD et vinyle seront de nouveau dans les bacs à compter du 7 avril. Tous les bénéfices seront reversés à l'association Daniel Lévy, a-t-elle précisé à côté de la publication. Une image qui a touché les internautes en plein cœur. Quelle belle et touchante photo, votre époux doit être fier de vous, que si est-il triste de voir que Nessiole ne pourra connaître son exceptionnel papa qu'à travers des photos, elle connaîtra son super papa au travers de vous, ses frères, trop belle photo à un ange qui regarde un ange. Photo émouvante, il doit tellement être fier de vous et de sa merveille, ont-ils été nombreux à réagir. Preuve que c'est tellement simple, l'amour.